L'opération Wendy est une opération de lutte contre le trafic d'ivoire et de cornes de rhinocéros dans 10 pays d'Afrique francophone. AIFO a rejoint Interpol dans le cadre de la mise en place de telles opérations, tout simplement parce que nous avons un objectif commun. Aujourd'hui, le trafic d'ivoire est transnational et par conséquent, l'Afrique francophone devient une aire géographique où il est important de former les agences de lutte contre la fraude à lutter contre ce trafic. N'est pas juste une organisation qui finance. C'est une organisation qui va sur le terrain, qui souhaite comprendre de quelle manière il faut agir, qui souhaite comprendre quels sont les besoins pour être efficace, pour gagner cette lutte. Ouesso est une situation énormément compliquée en ce qui concerne le trafic de la faune sauvage. Et Ouesso est une île d'habitation dans une énorme forêt. La population de Ouesso vit particulièrement de la viande de chasse. C'est ça, voilà pourquoi on a ciblé beaucoup plus le département de la Sangha. La culture, vous savez, ils vivent de la viande. Les interdire, manger de la viande ou expliquer, c'était compliqué. Donc on était obligé de prendre d'abord le temps de sensibiliser avec donc votre politique des pancartes, la sensibilisation. Et à partir de là, ils étaient déjà saisis qu'effectivement, il y a des animaux intégralement protégés. Les gens ne savent pas ce qui se passe vis-à-vis de leurs éléphants. Et surtout, à quoi sert cet ivoire, pour quelle cause, est-ce que ça reste chez eux ou pas, voilà, donc ça les interpelle vraiment. Et surtout de voir cette image d'éléphant complètement estropié, ça les a choqués. Donc mais choqués dans le bon sens positif du terme. Adultes, femmes et enfants, tout le monde était concerné, même les militaires, hein. Ça a choqué tout le monde. Et lorsque nous sommes allés sur l'opération Wendy, ils étaient donc tout à fait d'accord qu'on mène cette opération. Les gens qui trafiquent illicitement des grandes quantités de viande de brousse et les gens qui organisent le trafic de l'ivoire à partir de Ouesso ou d'autres petites villes dans la Sangha, ces trafics-là doivent finir un jour, soit demain parce qu'il n'y a plus rien, soit aujourd'hui parce que nous soyons un peu conscientes de tout ça. Alors, peu de temps après notre arrivée sur Ouesso, nous avons pu nous rendre à la gendarmerie où étaient détenues deux personnes récemment arrêtées, un bantou et un pygmée. Nous avons pu suivre l'interrogatoire auquel ils ont été soumis. On s'est rendu compte au cours de l'interrogatoire que généralement, ces tandems-là sont équipés spécifiquement soit d'une scie, donc pour extraire les défenses une fois que l'animal a été abattu. Et parfois, ces derniers sont munis d'une balance, justement pour évaluer le poids des défenses. Un certain nombre d'armes sont saisies. Donc là, en l'occurrence, ce sont des PMAK, donc des armes de guerre qui ressemblent aux Kalachnikov et qui, normalement, ne peuvent pas être entre des mains autres que celles de soldats. Dans le cadre de l'opération Wendy, près d'une trentaine de braconniers et trafiquants ont été arrêtés et ces derniers étaient détenus au sein de la prison de Ouesso. Nous avons donc pu nous rendre au sein de la prison et assister à leur transfert vers les locaux où les interrogatoires ont eu lieu. Certains braconniers et trafiquants détenaient des pointes d'ivoire. Donc jusqu'à présent, sept défenses ont été saisies, ce qui représente au moins 4 éléphants de forêt tués. Donc leur poids varie entre 3,5 kg pour celle-ci et la plus grosse, 7 kg ici. Donc, lorsque l'on connaît le prix du kilo au marché noir,
on comprend à quel point ces défenses peuvent être profitables pour ceux qui les trafiquent. Et effectivement, j'ai eu cette expérience d'assister à des interrogatoires de personnes suspectées, arrêtées en flagrant délit. Ils ont l'expérience, vraiment, on fait le même travail, que ce soit pour les animaux ou pour les humains, les affaires criminelles, ou pour les affaires de stupéfiants, on fait exactement le même travail. Elles sont menées de la même rigueur, avec la même création d'empathie avec la personne en face de soi, et de temps en temps des signes de fermeté. Mais oui, c'est pareil, c'est le même métier, nous faisons réellement le même travail. Ça a été pénible parce que reconstituer les faits, ce n'est pas facile. Nous avons eu 32 cas à auditionner et donc il faut reconstituer les faits. Ça a été très pénible. Dans l'interrogatoire, l'objectif final, c'est atteindre le but, c'est-à-dire démanteler le réseau. C'est une joie et un certain honneur quelque part de venir voir sur le terrain les collègues que j'ai formés, entre guillemets, parce qu'ils sont assez compétents pour travailler seuls, et loin s'en faut. Donc effectivement, c'est une joie parce que ça se passe très très bien. Lors des interrogatoires, nous nous sommes rendus compte que aussi bien des gendarmes que des militaires pouvaient être les commanditaires du braconnage orchestré sur les éléphants. C'était moi qui ai venu avec ça au village. Parce que on sait que le problème est la corruption et un manque de volonté politique de mettre la main sur cette corruption et puis encadrer les autorités compétentes de mettre fin au trafic illicite de la faune. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui a pris conscience de la menace extrême qui pesait sur ces populations d'éléphants. Mais au-delà de ça, on se rend compte que le pays fait face à de nombreux défis, dont l'un majeur, à savoir la corruption. C'est vraiment une question que les ONG, donc la société civile, insistent sur ça. C'est un principe de base. C'est quelque chose que nous reconnaissons tous. Il n'y a personne qui peut nier ça. Et ça aussi, on peut dire que c'est quelque chose qui a changé dans les dernières quelques années. On voit que c'est sur la table, cette question de la corruption, et nous parlons un peu plus ouvertement sur cette question. Nous reconnaissons que ça existe. Et nous ne devrons jamais l'ignorer parce que c'est le plus grand obstacle dans la lutte contre le trafic de la faune. Alpho a fait le choix de s'attaquer à tous les maillons de ce cycle commercial lié au trafic d'ivoire. Par conséquent, nous œuvrons à la source en nous rendant sur le terrain et en appuyant la lutte anti-braconnage. Nous luttons contre les trafiquants en coopérant avec Interpol dans le cadre de la mise en place d'opérations de terrain. Eh bien, il est très important aussi de travailler au niveau des consommateurs. Changer les mentalités, changer les habitudes et leur faire prendre conscience de l'impact que leur choix de consommation a sur les populations d'éléphants. Ça va marcher parce que vous avez constaté, comme moi, que sur le terrain, on a découragé les braconniers. Et donc les chasseurs sont plus découragés. Ils savent maintenant que ce n'est pas bien de chasser à l'éléphant. Et ça, c'est très capital. Et si on peut maintenir la pression partout, je crois qu'on pourra sauvegarder la conservation de la faune. Je suis confiant que ça ira.